tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de partenariat Coco Rosa Studio. Donc, bon, moi, j'avais eu le 9 décembre un mail, mais j'ai reçu la commande qu'il y a 2-3 jours. Oui, parce que ma fille était là, donc, oui, même pas 2 jours. Vendredi, je crois, je l'ai reçu ou... Je sais plus. On est lundi. Ouais, j'ai dû recevoir jeudi ou vendredi. Donc, il y avait des promotions pour Noël. 25% de réduction sur tous les articles de chez Coco Rosa. Et achetez 3 articles et obtenez-en un gratuitement. Masse. Besoin d'ajouter 4 articles au panier. Mais je ne sais pas du coup si c'est encore valable parce que bah, c'est un mec qui date du 9 décembre mais ça a mis un peu, comment, ça a mis quand même longtemps à arriver. Oui, je vais le recevoir vendredi je crois. Donc bon, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc d'abord j'ai pris ce tampon partition de musique. Alors sur quoi, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais prendre ça. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, donc c'est une partition de musique. Voilà, voilà, tout simplement. Peut-être se mettre sur du blanc, ouais, je sais pas. Partition de musique. Donc, ensuite, j'ai pris ce. Ah, je suis à fond dans la musique, je sais pas pourquoi, mais ce tampon pareil avec une guitare, des touches de piano, des notes de musique. Ouais, plein de notes de musique, des partitions, des mots, favorites musique, this is the note, sing, enfin il y a des phrases, il y a, voilà, c'est vraiment au thème de la musique, voilà. Ensuite, j'ai pris cet ensemble dies et tampons. Alors je pensais qu'il y avait tous les dies de tous les tampons, mais en fait non, il n'y a que 2 dies. Il y a alors le dies, les dies, je vous montre, il y en a 2. Il y a le dies de la botte. Le dies de la botte. Ensuite, vous avez Gnome for Christmas, Christmas Switch. Vous avez des poinsettia, vous avez une bande de poinsettia. Moi, j'aurais bien voulu avoir ce dies aussi. Et vous avez le dies des petits gnomes qui sont... qui font ils sont l'un au-dessus des autres quoi, voilà. Donc ça, j'espère que vous les voyez bien. Si vous les voyez pas bien, de toute façon je vais faire des vidéos des créations que je vais faire avec ça. Donc vous verrez hein. Vous verrez mieux, je vous montrerai mieux. Ensuite, j'ai pris ce dies, c'est pour faire une carte en fait, avec des pommes de pin et des branches de sapin. Donc, c'est un fond, hein, vous coupez, et j'ai pas fait les découpes. Hein. Il faut que je fasse les vidéos rapidement, vu que ça a été assez long quand même à arriver. Donc, voilà. Celle-ci, on est combien aujourd'hui? On est le 26. Aujourd'hui, je vous ai mis, je vais vous en mettre 2 aujourd'hui. Je vais vous mettre. Mon DP que j'ai fini d'un partenariat et les 2 ATC du défi de Sylvie que j'ai pas encore fait parce que 24-25 j'ai vraiment pas eu le temps, donc je vais les faire aujourd'hui et je vous mettrai cette vidéo dans la soirée. Ensuite j'ai pris un pochoir comme ceci, ils sont super beaux. Donc ici ça vous fait des pendules, voilà. Ici, vous avez des petites étoiles et ici, des petites flèches. Voilà. J'aime beaucoup. Moi, j'ai pris plus pour ce côté-là, bien sûr. Donc là, pareil, je vous montrerai ce que je vais faire avec ça. Et ensuite, j'ai pris du papier. Alors, c'est plus Noël, mais bon, vous aurez encore quelques, au moins 1 ou 2, je pense, de Noël. Ça, je vais pas faire Noël. Ça, bon, ça va être peut-être Noël. Et la musique, non, je ne vais pas faire sur Noël, je pense pas. Les gnomes, je ne sais pas. On verra. Et j'ai pris ce bloc de papier de Noël.
Donc ça, c'est Panalisa. J'aime beaucoup ces papiers. Donc c'est vintage, hein, je vous montre. Vous en avez deux de chaque. Donc il y a ces deux-là. Voilà. Ensuite, on a ces deux-là. Ceci. Ensuite, on a comme ça. Et ça, je vais peut-être m'en servir pour faire mon dernier ATC de Sylvie. Tiens, ce serait peut-être pas mal. Comme ceci. Ensuite, vous avez celui-ci. Moi, je les aime. Hein. Ces papiers, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Enfin, celui-là, il ne fait pas forcément Noël, vous voyez. On peut faire autre chose avec. Hein. Voilà. Celui-ci. Bon, je pense que cette vidéo, vous l'aurez demain. Donc, celle-ci. Voilà. Bah, si j'ai le temps de faire tous les montages, etc. Parce que je prends aussi des cachets qui me fatiguent. Donc, si j'ai le temps, le courage et la force surtout. Voilà. Celui-là est très beau aussi avec tous les mots. On peut découper les mots. Après, c'est pas français. Il y a rien. Ah si, il y a Noël en français. Il est très beau. Ensuite, vous avez celui-ci. Magnifique. Et le dernier, celui-ci, qui peut faire le thème hiver. Pas forcément Noël, plus le thème hiver. Donc voilà, je suis trop contente. Les papiers sont magnifiques. Tout est beau. De toute façon, dans cette boutique, moi, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que Coco Rosa, les produits sont magnifiques. Donc, je vous mettrai tous les informations en barre de description, comme d'habitude, si vous voulez profiter, si la promo est, si les promos sont toujours valables. Mais voilà, je suis très contente d'avoir eu ce partenariat. Il est vraiment magnifique. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.